la salle de spectacle Brest Arena accueille cette année encore la finale des Tréteaux Chantants qui s'est déroulée le 30 novembre dernier. Ce concours de chant a vu le jour il y a plus de 20 ans au patronage laïque Sancerre à Brest. Il permet aux plus belles voix seniors du pays de Brest de s'affronter sur scène. Depuis, le succès de l'événement ne se dément pas. Après les épreuves de sélection dans les 7 communes participantes, de nombreux spectateurs sont venus applaudir les 12 finalistes. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça, c'est encore un coup attraper le torticolis, là. Ben oui, parce que vous savez, quand on s'adresse aux gens, il faut s'adresser à tout le monde. Et donc, il y en a partout. Vous êtes encore une fois très très nombreux. Merci d'être venus. Nous allons commencer à l'heure, puisque c'est quasiment une religion chez nous que de commencer à l'heure. Et bien sûr, pour vous souhaiter la bienvenue, je vais demander à monsieur l'adjoint chargé de l'animation de la ville de Brest, qui est organisateur de ces Tréteaux Chantants, de venir nous retrouver sur scène. Mesdames et messieurs, il y a une belle surprise pour commencer. Yann Masson. Ah, je vous avais prévenu. Merci. Bon, on va pas déroger la règle, on commence à l'heure, et surtout le maire, l'adjoint au maire, dit un petit discours. Bon, vous êtes plus que 4200, c'est quand même très agréable de vous voir aussi nombreux, pour les Tréteaux Chantants. Donc il y en a 12 qui sont prêts à vous chanter une petite chanson. Bon, après il y a un classement, mais quand même, le moment, c'est quand même de se dire qu'on est là pour passer tous ensemble un bon moment. Les Tréteaux, c'est aussi ça, c'est aussi, voilà, oser aller survivre cette scène devant vous, venir sous les projecteurs, chanter pour nous tous. Vous serez bien bienvenus pour les prochaines. Voilà, c'est parti. C'est parfait. Bien. Vous savez, Yann vous l'a dit, que c'est un concours, c'est un jeu, et donc il y a un jury. Alors je demanderai aux 10 membres du jury d'aller faire le tour là-bas, parce qu'on va les présenter sur scène. Allez-y, messieurs, dames. Voilà. Messieurs, dames. Alors l'année dernière, le jury était éminemment masculin. Rappelez-vous, et lorsqu'on avait présenté le jury, il y avait eu dans la salle une bronca justifiée. Et donc cette année, avec nos amis organisateurs, eh bien, nous avons rectifié le tir, si j'ose dire, puisque vous avez pu constater qu'il y a 10 membres du jury, il y a 5 dames et 5 messieurs. Voilà. Parce que maintenant, nous allons chanter la chanson annuelle des Tréteaux. Jacques Estelle, Jacques Mouyol, accompagnateur et candidat des Tréteaux Chantants dans les communautés de communes avoisinantes. François, qui est l'auteur-compositeur de la chanson, on l'a sous la main, on va quand même pas le laisser partir. Hein. Ils reviennent encore à l'heure des marées. S'asseoir sur le muret, le long de la jetée, et regarde ton corps au-delà de Bréa, respirant le parfum du vent qui les appelle. Mais si l'air évolue, le temps des terres ne va, la race des marins chez nous ne s'en va pas. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer, tu regardes le mourir et le vivre le marin. L'eau divine de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses. Thank you.
scène nos amis Patrick et Mathieu. Ben, venez donc, Mathieu Bellec et Patrick Perron qui vont accompagner nos candidats. Mathieu à l'accordéon. Et Patrick. Bien, nous allons maintenant commencer notre finale. Le premier candidat, c'est Jean Cab, qui va nous interpréter une chanson chantée par Yves Montand et par beaucoup d'autres, « Mon pote le gitan ». Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui, il m'arrive de chanter. Toi sacré gitan, qui sentait le cafard, au fond de la musique et de pleine d'espoir. Merci. Deuxième candidat, André Martinez, qui va nous interpréter une chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi. Vers les lacs où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Le début du monde emportant avec eux des idées vagabondes me finissent la bleue de mirage. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Qui va nous interpréter une chanson de Jean Ferrat, Ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des lueurs s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, ces artistes prophètes, pour dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie son jour leur dit vos erreurs. En puissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, c'est le des travailleurs. En France, quel monde des mines descendent des collines. Celle qui chante en moi l'appel de la rebelle. Elle craint l'avenir, serrée dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Le candidat du jour, c'est Alain Raoult. Il va nous interpréter une chanson d'Yves Montand, La Chansonnette. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue. Le cœur en fête,
numéro 5, Ara Hervouet, qui va nous interpréter une chanson de Charles Aznavour, Mes emmerdes. Interpréter une chanson popularisée par Mouloudji, Un jour tu verras. Une chanson de Michel Thor, J'en appelle à la tendresse. Devant ses yeux d'enfant, qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Qui a été popularisé par Edith Piaf, Milord. Thank you.
Vicky Rabousset, qui va nous interpréter une chanson qui a été popularisée par Cora Vauquer, une chanson qui est extraite de la bande originale du film French Cancan, La Complainte de la Butte. Une chanson de Bourville, interprétée par Bourville. La tendresse. Chanson de Barbara Drouot. C'est Marie-Françoise Cadran qui va nous interpréter une chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Vous aimez le tremblant dans des vagues plombées qui déchirent la nuit.
profiter du fait que la lumière soit allumée pour faire l'entracte. A tout de suite. Monsieur le maire de Brest et puis à nos partenaires, Salin Holidays, le Crédit Agricole de Brest, la Cille de Pouvien, l'entreprise Le Saint, le patronage d'Aïk Sanker, la famille Roger, l'Office des retraités brestois, la société Brestem, ainsi que la ville de Brest. Merci bien sûr à Michel Thor, à ses musiciens, à ses choristes et ses techniciens. Merci aux musiciens des Tréteaux Chantants, Jackie Bouillol, Patrick Perron et Mathieu Bellec, que vous pouvez applaudir très fort. Merci à Estelle et Jack du duo Medley, qui ont magnifiquement animé toutes les sélections. Nous allons donc maintenant accueillir un certain nombre de personnes sur scène. Monsieur François Cuyandre, monsieur le maire, président de Brest Métropole, Yann Masson, adjoint au maire chargé des animations, Laure, qui représente Salin Holidays, monsieur Christian Salin, qui est le directeur des agences brestoises du Crédit Agricole, monsieur Philippe Corr, qui est responsable commercial de la Cille de Plouvien, il est là, monsieur Louis Thomarnot, qui est co-président de l'Office des retraités brestois, madame Anaïs Carnal, qui est administratrice de la direction déléguée sport et événements de Brestem, et Michel Bescon et Henri Le Gouen et Séverine Garot, donc, qui sont les organisateurs des Tréteaux Chantants. Voilà. Je vais aussi demander aux 12 candidats, dans l'ordre dans lequel ils sont apparus devant vous, de venir nous retrouver sur scène. Et je vais vous demander, bien sûr, d'applaudir nos 12 candidats et candidates. Et puis, maintenant, l'heure est venue au résultat. Avec 160 points, et est déclaré vainqueur des Tréteaux Chantants 2017. Jacqueline Henry qui a chanté Milan. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir nos 12 candidats. Aucun n'a démérité. Merci à la technique. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être restés. On vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Kenavo. Et à l'année prochaine.